Lily Rose, ouvre-moi, dépêche-toi. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Lily Rose, ah, oh, c'est bon, j'ai réussi. Lily Rose, t'es où? Eh oh. Mais tu m'as appelé? Lily Rose. Bon, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'est passé quelque chose d'assez fou là, à l'instant. J'ai pas réussi à le filmer parce que là je viens de prendre la caméra en vitesse. Il y a Lily Rose qui a commencé à m'appeler. Elle a fait « Esteban, viens ici, dépêche-toi !» Et d'un coup je l'ai plus entendu, comme si qu'elle s'était enfuie, comme si qu'elle avait disparu. Et là la porte de sa chambre, comme par hasard, elle était bloquée. Lily Rose, t'es là? Tu me fais une blague ou quoi? Lily Rose. Eh oh. Tu me fais une blague? Lily Rose. Oh, je suis sûr que t'es là en train de te cacher. Lily Rose. Oh non. C'est quoi ça? Me dites pas qu'ils sont de retour. Oh, c'est pas possible. Les lutins farceurs. Là 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 là. Lily Rose. T'es là? Lily Rose. Oh là là. Oh, et le chat, regardez, qui est juste ici. Qu'est-ce que t'essayes de faire? T'as vu quelque chose? Bah non, il a rien vu, évidemment. Bon, Lily Rose, t'es là? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, les amis, il y a un mot. C'est écrit quoi, là? Les lutins m'ont emmené. Signé Lily Rose? On dirait qu'elle a pas fini d'écrire ce qu'elle voulait dire. Ils ont dû l'embarquer avant. C'est pas possible. Bon, les amis, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour ceux qui ont raté nos dernières vidéos, les lutins farceurs, normalement, c'est des lutins qui apparaissent chez les gens quand c'est bientôt Noël. Et en fait, ils font énormément de pranks, ils font plein de blagues aux enfants. Et chez nous, on a eu plein de lutins farceurs, vous l'avez vu dans le lit, ça ressemble vraiment à un petit lutin comme ça. Et ils font plein de blagues, et là, ça fait environ un mois qu'ils sont en train de nous... Ah! Possible. Il y en a partout maintenant. Vous l'avez vu, il y en avait un dans l'ouverture de la porte. Où est-ce que tu te caches? Il y en avait un autre sur le lit. Il est plus là. Ils se sont enfuis, ça y est. Bon, c'est sûr qu'ils ont essayé de jouer un mauvais tour à Lily Rose. Mais qu'est-ce que tu veux? Vous l'avez vu. Il était là. Bon, écoutez, là les amis, ça craint, il faut que je trouve une solution pour que tout ça s'arrête, parce que si ça continue comme ça, ça va finir par très très mal tourner. Bon, hé hey. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est t'es là. J'entends rire là, c'est quoi? C'est les lutins, ils sont de retour. Non mais vous me faites un prank là, c'est quoi ce qui est écrit sur le tableau là? Les lutins m'ont... Écoute, j'ai entendu Lily Rose crier. Je suis monté le plus rapidement possible, j'ai pris la caméra, j'ai entendu Lily Rose crier, j'ai allumé la caméra, et là, je l'ai cherché dans sa chambre, qui était fermée d'ailleurs, et d'un coup... Eh non mais écoute-moi, c'est important, mais t'écoutes rien. Oh, et Lily Rose, elle a disparu là. À mon avis, c'est les lutins farceurs qui l'ont emmené. Viens voir, c'est quoi, regarde, Esteban. Oh non, c'est lui. Attends, c'est pas possible. Attends, faut pas l'attraper, ils réussissent toujours à s'enfuir. C'est pas possible. Il se met à bouger. Vous réussirez pas à m'attraper. Ah. Essayez de l'attraper. Ah, c'est pas possible. Viens ici. Allez, essayez de l'attraper. Viens ici. Viens ici. Ouais, il m'abandonne. Ah. C'est pas possible. Bon. Les amis, comme vous l'avez compris, ils sont pas faciles du tout à attraper. Et le souci, c'est que même quand on réussit à les piéger, ils sont de plus en plus nombreux et ils arrivent à s'enfuir. On avait fait une vidéo sur la chaîne Pink Lily Vidéo d'ailleurs, où on a essayé de pranker les lutins farceurs. On les avait enroulés dans du scotch, on les a enfermés dans le garage. On a fait plein de trucs pour essayer de les bloquer et ça n'a jamais fonctionné. Bon. Fais pas de bruit, Esteban. Il est Logan. Non, je ne fais pas de bruit. Oui, bah écoute, je vais essayer de l'attraper par les pieds. Mais il nous voit, c'est sûr. C'est pas possible. Vas-y, essaie de l'attraper. Et si tu l'attrapes, on l'emmène au sous-sol. Vas-y. Lâchez-moi. Je vous dirai pas où est Lily Rose. Si. Emmène-le au sous-sol. Non, vite, dépêche-toi. C'est pas possible. Vite, dépêche-toi. Allez. Vous ne mourrez pas! Dans le shop! Ici! Dans le shop! J'ai du mal à contrôler ça! Vite! Viens, emmène-le!
Amène-le, amène-le. Vite, enferme-le en dessous. Voilà. C'est bon. Comme une cage. Maman. Ah, hop là, voilà. Enlève ça. Voilà. Et son chapeau là. Ah bah tu fais pas de malin. Il bouge plus là, hein. Ah bah là ça bouge plus. Bon, comment tu t'appelles, lutin là? Regardez, on l'a enfermé dans le panier. Eh. Bon. Alors comment tu t'appelles? Je fais semblant de dormir. Moi c'est le lutin farceur, vous me connaissez. Moi et ma bande, on a emmené Lily Rose quelque part pour lui faire plein de pièges. Vous ne la reverrez jamais. Ah, c'est pas possible. Dis-nous ce que tu veux, en échange que nous dis où elle est Lily Rose. Eh non, mais il nous dira rien, c'est sûr. Allez. Son objectif, c'est de nous gâcher au plus possible la vie. Jamais. Ah, c'est pas possible. Bon, écoutez les amis, là ce qu'il faut faire, on va faire comme dans l'autre vidéo parce que ça continue. On va essayer de trouver des solutions pour piéger tous les lutins farceurs qui sont dans notre maison. Jusqu'à présent, on en a compté 5. Non, faut le mettre, mets-le dans ça. Pour moi. Non, dans ça, regarde. Dans ça. Mets-le dans ça. On va le mettre dans une boîte en plastique. Non, je vais pas aller dedans. Ah bah si. Ah si. Non, pas dedans. Allez hop. Entièrement dedans. Hop. Hé, non. Lâchez-moi là. Allez, voilà. Ah, faut que tu nous dises où elle est Lily Rose. Ah voilà. Regarde, il dit plus rien là. Il hein. Fait moins le malin. Oula, il a voulu s'en aller. Il fait moins le malin comme oula, ça. Mais il s'est du mal à contrôler. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous dis tout. Il me fait sauter. Oui. C'est bon. Écoutez. Les amis, moi je trouve que aide-moi, c'est... Sébane. Non mais aide, je peux pas t'aider, mets-le dans cette pièce-là. Mets-le ici. Je viens fou. Lâche-le là. Allez. Voilà, là-bas. Hop, on va fermer ça. Bon. Il va pas apprécier, hein. Je vais jeter. On va faire un plan pour chasser les autres, ok? Ouais, vas-y, comment? Bon. Les lutins farceurs viennent toujours dans cette pièce, dans le Pink Lily Shop. Ils viennent toujours voler des trucs ici. Du coup, on va utiliser les paniers. Reprends le panier, là. Le panier, les paniers en cage, prends-en. On va faire un piège avec des albums. On va essayer de les piéger. Ouais, pas bête. Mets-le sur la table. Comme regarde. Ça. Mets-le comme ça. Hop, on va mettre un album pour caler le truc. Voilà, comme ça. Voilà. Et comme ça, quand les lutins farceurs vont vouloir prendre l'album, hop, enfermé dans la cage. Pas bête. On fait ça. Allez, on en met deux comme ça. Mets-en deux comme ça. Et vas-y, voilà. On attend combien de temps? Ouais, bah je pense que déjà en 2-3 minutes, si on les attire ici, ils vont venir. Bon, vérifie qu'ils soient là tout le temps à l'intérieur. Et on va voir s'il y en a un qui va se faire piéger par notre piège. Bon les amis, dites-nous si c'est une bonne idée. Et on va essayer de faire d'autres pièges. On va dans la cuisine. Ouais, je vais réfléchir à un autre piège. Bon, les amis. On va faire un piège aussi dans la salle de bain parce qu'ils aiment bien faire couler l'eau dans la salle de bain et gaspiller toute l'eau, etc. C'est incroyable. Du coup, comment on peut faire? Ah, je sais pas. Faudrait qu'on essaie de les enfermer dans la douche comme ça. Ouais, on va faire ça. Je pense qu'on va mettre une ficelle ici et dès qu'on le verra rentrer, tac, on tire la ficelle pour qu'ils soient enfermés dans la douche. Je pense qu'on peut faire ça comme prank. J'en ai vu un dans le garage ici. Quoi? J'en ai vu un. T'en as vu un ici? Il est parti en courant là. Il était où? Il est reparti. Attends. Ah mais je le vois pas, j'ai pas vu. Il est où? Dans le shop. Et s'il est dans le shop, on aura ça peut-être... Ça tombe, il est piégé. Ouais, regarde. Ça a marché. Ça a marché. Mais il y en a trop bien. Un deuxième. Hé, qu'est-ce que vous faites? Aidez-moi. Il est où le troisième? Il est où ton troisième copain là? Mais il y en a 5 en tout, hein. Donc là il en reste 3 à piéger. Aidez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on en fait? On est où celle-là? Ah bah on va le laisser dans sa petite cage. Ça nous en fait 2. On le laisse dans la pièce. L'autre, hein. On le laisse là-bas. Ouais. Moi je vois pas, hein. En tout cas. Non, on le laisse là. Bon, on va faire la technique de la douche normalement. Il nous faut juste une ficelle. Une ficelle ou une corde. Une corde. Ouais, une corde. Une corde, ça serait très bien. Alors, bon, il faut qu'on piège les autres. Parce que... Ah, là, c'est bon, j'ai une corde. J'ai une corde ici. Bien. Alors, il faut que tu accroches la... faut que tu accroches la poignée de la douche à cette corde. Comment? Comme ça? Non, comme ça. À celle-là. Ouais. Comme ça, on l'ouvre. Dès qu'il rentre dans la douche,
Hop, on se cache. On est au loin et on ferme, on l'enferme dans la douche. Ok. On fait ça? C'est... Ouais. Allez, on va essayer. Ouais, bah, de toute façon, la salle de bain, ils adorent venir pour faire couler l'eau, comme je vous ai dit. Donc, voilà. Bon, après, si on arrive à piéger celui-là, logiquement, il nous en restera plus que deux. Oh, c'est parfait, ça. J'aime beaucoup cette vidéo, les amis. J'espère que vous aussi. D'ailleurs, si vous l'aimez bien, mettez un like et abonnez-vous, là. Hein, parce que, à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises. Allez, t'es prêt? Ouais. Vas-y. Viens, dépêche-toi. On va voir si ça va fonctionner. Vas-y, j'éteins la lumière. Attends, j'éteins la lumière. Vas-y. Éteins. On attend 2 minutes. Et dès qu'on voit un lutin farceur, dès que tu vois un lutin farceur, tu cries et tu me dis « Ferme !» J'espère que Peppa Pig va faire ça à temps pour qu'on puisse les piéger. Ils arrivent. Je l'ai vu. Déjà? Ouais. C'est fou, ça. C'est bon. Je ferme. Vite, ferme. Ferme. Go. Attends, j'allume. C'est bon? Ouais, c'est bon. Tu l'as eu? Trop facile. Ah! Et bah voilà le lutin farceur piégé dans la douche. Ah, vas-y, c'est bon, on peut enlever la corde. Ouais, attention, il va s'enfuir aussi. Non, non, ils arriveront pas à ouvrir. Ah oui, c'est fermé. Ils sont trop petits. Ils sont trop petits pour ouvrir et même pour passer en haut. Quoi? On le laisse là comme ça? Ouais, ouais, on le laisse là. Dans le noir, hop, ça fait. Donc ça fait 3. 3. On a piégé 3 là, c'est bon. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Attends, les deux autres, ouais, mais... Bah, je sais pas comment on peut les piéger. Où est-ce qu'ils aiment bien aller, sinon? Attends, qu'est-ce qu'ils aiment bien? Ils aiment bien fouiller, Bon, la chambre de Lily Rose, on a l'habitude d'y aller. Ouais. Bah, moi, je pense qu'on peut essayer de faire un piège dans la chambre de Lily Rose. Encore? Ouais, ça pourrait être bien. Avec bon, quoi, vérifier qu'il soit bien dans la douche, qu'il soit bien enfermé. Et moi, je vais dans la chambre de Lily Rose, mais je vais prendre... Oh! Peppa Pig, vite! Vite! Il y en a un qui m'a fait un croche-pied! Oh là là, ce lutin! J'ai failli tomber dans les escaliers! Je m'en doutais qu'ils allaient me faire des trucs comme ça! Ils commencent à être vraiment en colère là! Vous avez vu les amis, j'ai failli faire tomber la caméra! J'ai eu vraiment peur! Ah, j'ai eu peur! Ah, je l'entends rigoler! Bon, qu'est-ce qu'on peut faire comme piège dans la chambre de Lily Rose? On fait pareil? Attends, et les feutres, je pense qu'ils, tu crois qu'ils aiment bien... Ah bah oui, ils aiment bien prendre les feutres de Lily Rose, les casser, etc. Ouais, mais comment les capturer aussi? Bon, écoute, on va faire un piège très simple. Ouais. On va faire un piège très simple. On va leur faire croire qu'on a un cadeau pour eux. Voilà. Regarde, on va prendre un sac, on va leur faire croire qu'on a un cadeau pour eux. Et puis on met dans le sac, on l'attrape et on met et dans puis, le sac. Et puis dès qu'il est dans le sac, on l'enferme. Ok, ça va marcher. Ouais. C'est très simple comme piège, les amis. Bon, peut-être que s'ils reviennent, on fera des pires pranks. On essaiera de les envoyer dans une piscine. On essaiera de leur jeter des balles rebondissantes dessus, des trucs comme ça. D'ailleurs, donnez-nous des idées si vous voulez les voir. Et ah bah te voilà déjà. Vous avez piégé mes amis, mais moi vous m'aurez jamais. Ah bah ça tombe bien. Viens voir par là, regarde, on t'a préparé un petit cadeau. Regarde, il est juste ici. Comme on sait que tu adores Noël, on t'a préparé un petit cadeau comme ça. Ah, un petit cadeau? Mais c'est pas comme ça que vous allez retrouver Lily Rose. C'est pas avec des cadeaux que vous allez être aidé. Bon, allez, je vais voir ça. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Bon, bah, t'inquiète, tu peux rentrer à l'intérieur pour le voir. Ah, ça a l'air pas mal, ça. Effectivement, mais c'est joie rien, c'est au fond de la boîte. Hop, c'est bon, je vais... Bon, c'est bon. Attends, allez, s'échappe. Ah, vite, ferme. Pareil, pour l'enfant dans la chambre de Lily Rose. Vite, dans le placard. Ah, c'est bon. Débarrassé de celui-là. Il veut sortir, hein. Ça va, il se calme. Ouais, il se calme. Heureusement. Bon, le cinquième. Ouais. Bon. Je pense qu'il va être difficile à voir parce que je pense qu'il a entendu les autres. Le cinquième, je sais qui c'est. C'est le chef des lutins. Et honnêtement, je pense qu'on l'aura pas aussi facilement. Peppa Pig, c'est pas possible. Je pense qu'on peut pas l'avoir comme ça. Faut trouver quand même un piège pour l'attraper. Bon, les amis, je vais vous dire honnêtement, là il faut qu'on se concentre sur la recherche de Lily Rose parce que depuis le début elle a disparu. Lily Rose, on l'avait complètement oublié. Bah oui, Lily Rose, moi je l'ai pas oublié, elle a totalement disparu à cause des lutins.
C'est le chef, à mon avis, qui sait où elle est, le chef des lutins. Et le chef des lutins, on ne peut pas l'attraper comme ça. Il n'est pas facile à attraper. Du coup, les amis, ce que je vous propose, c'est que nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne. Si vous vous abonnez, activez la cloche, n'oubliez pas. Et surtout, on se retrouve sur une prochaine vidéo pour bientôt piéger le chef des lutins et essayer de retrouver Lily Rose. Allez, cliquez sur une vidéo qui apparaît juste ici. Voilà, comme ça vous continuez à suivre nos aventures. À la prochaine, ciao.